Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mon meilleur plan pour acheter votre matos photo-vidéo au meilleur prix sur Amazon. C'est parti! Alors je suis presque content de faire cette vidéo alors que ma chaîne est encore toute jeune, car de un c'est aussi pour vous remercier de me faire confiance et de m'accorder votre temps, mais surtout c'est parce que j'espère que ce bon plan sera toujours d'actualité pour les prochaines années. Alors en fait il y a quelques années j'ai découvert que suivant le site Amazon sur lequel vous comptiez acheter, les prix pouvaient être incroyablement différents. Pour cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer différentes captures d'écran sur l'achat d'une carte SD SanDisk Extreme Pro 128Go. Sur les 4 prix que je vais vous montrer, il s'agit à chaque fois d'un article vendu par Amazon directement et non un vendeur externe. Les captures d'écran sont aussi sur la dernière page juste avant la validation du paiement, afin que vous rendiez bien compte que cela est réel au niveau du prix, tout comme pour la livraison. Petite parenthèse, comme il s'agit de mon compte professionnel, les prix seront affichés hors TVA. Pour cette carte SD Extreme Pro 128Go, si je devais l'acheter sur Amazon.fr, le prix serait de 260€, frais de port inclus, et comme vous pouvez le voir, l'article est bien vendu par Amazon Europe. Même article, mais sur Amazon Italie. Pour l'Italie, le prix est de 233€ livraison comprise et toujours vendu par Amazon Europe. Autour de l'Allemagne, et là on descend à 214€ frais de port inclus et toujours Amazon Europe à la vente. On fait le dernier store accessible pour tous les citoyens européens avec l'Espagne et le prix est de 228€ frais de port inclus et toujours par Amazon Europe. Donc si on calcule bien et qu'on prend Amazon.fr qui est le plus élevé à 260€ contre l'Allemagne à 214€, cela fait une différence de 46€. Je sais pas vous, mais moi je préfère les avoir en poche plutôt que chez quelqu'un d'autre. Je me souviens à l'époque avoir acheté un objectif Canon 24-105, 350€ moins cher en passant par Amazon Italie plutôt que la France. Alors autre avantage en utilisant justement ce système, c'est que vous allez pouvoir éviter les sortes d'embargo. Je sais pas pour ceux qui vont regarder cette vidéo sur le territoire français, mais par exemple nous en tant que Belges, il y a des articles qui sur le Amazon.fr ne sont pas livrables ici en Belgique. Pourquoi? Eh bien certainement parce que le revendeur a dû signer une clause avec la marque en disant qu'il ne pouvait pas vendre aux pays limitrophes. En passant justement par un site comme Amazon.Espagne ou .Italie, on va justement sauter cette clause-là parce que là évidemment on n'est plus dans un système de pays limitrophes. Donc ça aussi cet avantage pour tous les Belges qui regardent cette vidéo, vous allez pouvoir justement acheter certains articles qui de base ne seront pas livrables en Belgique. Alors autre info super pratique à utiliser, il s'agit du site internet camelcamelcamel.com. Le site permet de voir la courbe de prix du produit. Il vous suffit de copier l'URL de votre produit dans la barre de recherche camelcamelcamel et celui-ci vous sort une courbe vous montrant à quel prix le produit est déjà monté ou descendu. Ici on voit que le produit est même descendu en dessous des 250€ TVA comprise durant le mois de juin. C'est assez pratique car si un produit vous intéresse mais que vous n'êtes pas pressé, il vous suffit de le mettre dans votre liste de souhaits et d'aller voir quotidiennement son prix. Comme vous connaissez déjà le prix le plus bas possible, il vous suffit d'attendre le jour où celui-ci s'en rapprochera le plus. Voilà, je vous ai tout dit. Pour chacun de mes achats dépassant 30€ sur du matos photo-vidéo, mon process reste le même avec l'ouverture de 4 pages internet pour chacun des Amazon européens et de terminer en vérifiant la courbe de prix du produit si je ne suis pas pressé sur camelcamelcamel.com. C'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus! We'll be right back.